Eh bien, salut à tous la Team Zen, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve, messieurs, dames, en connexion, en cours sur Fortnite. Je viens d'allumer mon jeu, les gars, et oui, pourquoi je viens d'allumer mon jeu? Puisque nous avons à l'instant, les gars, obtenu un code pour avoir le planeur Deathstroke. Ce planeur, les gars, qui est disponible à partir d'aujourd'hui, le 1er juin 2021, pour avoir le planeur de la BD, ou plutôt du comics numéro 4, messieurs, dames, qui sera en pack avec le skin Deathstroke, qui était à gagner d'ailleurs lors d'une compète la semaine dernière. Compète qu'on a ratée, parce que nous sommes pas très forts en fait, hein. Et du coup, on a raté la cup, on n'a pas eu Deathstroke, mais maintenant, les gars, on a le planeur. D'ailleurs, merci à Wolf, les gars, qui est au Canada et qui a les codes plus facilement. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment avoir les codes si vous n'avez pas accès aux comics. Attention, les seules choses officielles, d'accord, officielles par Epic Games sont les comics ou les boutiques d'objets sur Fortnite. Donc c'est parti les gars, on va se TP au moment où je reçois le cadeau. Vous voyez bien, les objets que vous avez reçus, entre guillemets, que vous avez achetés, vous attendent. Et donc là, on va arriver en game, on va allumer le BR et on va avoir le pop-up de quand on reçoit le planeur, les gars. C'est parti. Les vœux, bah voilà, franchement le voici. Aile ravageuse de Deathstroke, les gars. Il est exceptionnellement beau, les gars. Il brille bien. Et donc ça, les gars, pourquoi c'est aussi stylé que ce que je vous dis? Puisque vous pouvez l'obtenir, messieurs, dames, entre 2 et 4 euros. Hein. Et surtout, dans quelques jours, vous pourrez l'obtenir encore moins cher sur un site que je vais vous mettre en description, d'accord? Sur ce site, bah, vous pouvez avoir les codes que vous voulez, entre guillemets, pour plein de jeux, pour plein de choses. C'est pas officiel, donc attention, les gars, on sait jamais. Mais normalement, vous avez le droit de faire un peu ce que vous voulez de votre argent, j'ai envie de dire. Et sinon, bah, vous pouvez utiliser les BD. Alors moi, c'est en Espagne que j'ai normalement les codes. C'est toujours là-bas qui a les BD disponibles, sachant qu'on est en France. Et après, bah, vous avez les États-Unis, République tchèque, Italie, etc. Et surtout, bah, ce site-là, international. Donc les gars, voilà le planeur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'équiper et on va lancer directement là, un petit labo, là, histoire d'utiliser juste le planeur et de vous montrer à quoi ça ressemble. Parce que du coup, j'adore ce planeur. Et du coup, vous voyez bien que Fortnite en ce moment est totalement buggé. Je suis niveau 1 alors que je suis niveau 252. Et hier, c'était full buggé. Je sais pas, je pensais que ça allait être réglé aujourd'hui, mais apparemment, c'est encore pire. Ils ont vraiment du mal avec leur serveur aujourd'hui. Donc, un peu compliqué. Alors, on va essayer le planeur. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Moi, je suis prêt. C'est parti. On avance un petit peu. Et là, on active le planeur. Oh, ce que j'adore, c'est que les ailes, elles sont, regardez, elles sont flex. Vous voyez, c'est pas rigide. C'est vraiment pas mal, les gars. Et donc, du coup, pourquoi ce planeur? Eh bien, dans le sens où vous l'achetez en avance. Si vous l'achetez en avance, vous l'achetez pour à peu près 2-3 euros, comme je vous ai dit. Les BD, d'ailleurs, les comics en Espagne sont à peine à 2 euros. Donc, ça veut dire que vous avez la BD officielle, hein, vous avez le planeur officiel pour 2 euros. Quand vous arriverez ce soir, puisque oui, ce soir, Deathstroke sort en boutique avec tout son pack. Les ailes sont normalement à 800 V-Bucks. Et 800 V-Bucks, c'est au moins 6 euros de V-Bucks, d'accord? Et bien là, pour 2 euros, vous avez déjà le planeur. Ce qui fait que votre pack, d'accord? Votre pack total, eh bien, il va baisser d'à peu près 800 V-Bucks. Ce qui fait que le pack, par exemple, s'il est à 1005, vous allez avoir direct le pack à genre 700 V-Bucks. Alors que vous n'avez rien fait. Vous avez juste eu le planeur moins cher, d'accord? Parce que vous avez acheté un comics. Et du coup, vous arriverez ce soir en boutique, si vous voulez acheter le skin Deathstroke qui est au moins à 1002, et bien vous l'avez que pour 700, vous voyez? Ça va vous baisser directement le prix global de tout le pack. Donc voilà à peu près pourquoi ce planeur est si stylé. Pourquoi ces offres-là sont si stylées? Parce qu'au final, ça vous baissera le prix total de vos packs lorsque vous serez en jeu dans les boutiques. Alors sachez qu'après ce pack-là, il y aura le 15 juin par rapport à Harley Quinn Rebirth. Donc elle va sortir en boutique. On l'avait eu déjà le skin de Harley Quinn. Et maintenant, le 15, ce sera son accessoire de dos qui sera en vente dans les comics. Et du coup, le soir même, vous aurez le pack moins cher. Donc voilà, en tout cas, je vous retrouverai les gars à ce moment-là pour ce comics-là. Bien sûr, je vous retrouve tous les jours en live, tous les jours pour d'autres infos et surtout avant ça pour la nouvelle saison 7 de Fortnite. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre le code créateur Temo-Lopez. Je vous dis à tout à l'heure demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!